Charlène de Monaco était de sortie le dimanche 24 septembre. La princesse a alors dévoilé une nouvelle coupe de cheveux, le grand retour du blond. Ce dimanche 24 septembre 2023, Charlène de Monaco était présente aux côtés des seniors monégasques. La princesse a organisé une soirée spéciale pour ses seniors, ravie d'avoir pu rencontrer la femme d'Albert de Monaco. La pandémie, ayant contrarié plusieurs fois ses projets, ce 24 septembre s'est avéré le bon timing, affirme le quotidien Monaco Matin. L'épouse du souverain a joué le jeu de la convivialité, redoublant d'embrassades et invitant les participants à venir prendre des photos avec elle. La maman de Jacques et Gabriella a même affiché sa nouvelle couleur de cheveux. Elle est en effet retournée au blond. Dans une interview accordée à Monaco Matin, le 12 septembre dernier, Charlène de Monaco affirmait se sentir en pleine forme, heureuse et sereine. « J'espère pouvoir reprendre prochainement le sport. Je marche régulièrement, mais j'aimerais me remettre à l'entraînement de natation pour recouvrir un peu plus d'énergie et me sentir plus forte », avait-elle déclaré. Avec ses enfants, la princesse de Monaco est très épanouie. Toutefois, elle a révélé que sa fille Gabriella avait un caractère bien trempé. Pour le premier jour d'école, elle voulait porter son jean, nous voulions qu'elle porte autre chose, mais elle a gagné. Charlène de Monaco se confie sur ses enfants. La princesse de Monaco dévoile ainsi l'attitude de sa fille. Si est-ce aussi la première fois que Jacques et Gabriella ne seront pas dans la même classe? Si est-ce un grand pas pour eux, et cela me semble bien, commente leur maman. Ensuite, comme pour n'importe quel élève, un jour de rentrée, ils avaient beaucoup d'attente sur les nouveaux camarades, sur les professeurs, sur ce qu'il allait porter pour ce premier jour. Ils m'ont quand même demandé quand seraient les prochaines vacances. Just me.